C'est beaucoup plus facile à manipuler. Bien sûr. Très joli. Superbe. Là, ça. C'est le tour de la cuisson. Voilà. Il faut les saisir juste quelques secondes sur la plancha. C'est tranche du cid à l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est ça. Deuxième entrée de ce repas de fête, une soupe thaï à base d'élianthis. C'est une vacherie, hein. Ça, c'est une saloperie à faire. L'élianthis, qu'est-ce que c'est? C'est une variété de topinambour. Quand j'émince la citronnelle, c'est toujours l'émincer en biseau. Parce que quand on va cuire dans le bouillon, elle va bien se séparer, les anneaux vont tous se séparer et elle va vraiment diffuser tout son parfum. D'accord. On met tout ça là-dedans, comme voilà, ça. Voilà, tu mets tout dedans. C'est une étape super importante. Pas anodin du tout. Ça doit simplement s'attendrir, hein, mais voilà. C'est pas... Il n'y a pas vraiment de coloration, quoi. Non, surtout pas. Le lait de coco, ça n'est pas neutre. Et c'est une matière grasse. Dernier tour de maître pour cette soupe thaï, le lait de coco. Et après, direction le mixeur. Pendant ce temps-là, l'écaille. On a toujours tendance à... En fait, les volailles, il faut toujours les mettre à feu doux. Oui, parce que sinon, ça les caramélise tout de suite et ensuite, elles cuisent plus. C'est ça, oui, quoi. Ça les agresse et il faut une cuisson relativement douce. On les couche alors délicatement sur un petit lit de dattes avec quelques épices et des légumes croquants. Si ça, c'est pas fait, alors je sais pas ce que c'est, le fait. Reste le dessert. Ce sera des mangues rôties dans un jus de fruits de la passion. Là, ils sont rôtis. Ah, le jus a réduit complètement, là. Voilà, il s'est enrobé autour de la mangue. Donc je vais simplement les débarrasser. Oui, c'est pas du tout, enfin c'est pas vraiment caramélisé. Non, pas du tout. Elles sont servies avec une crème à base de lait de coco, de fruits de la passion, de chocolat blanc et de vanille. Et ça, faut pas le jeter. Non. Alors, on fait du sucre avec. Faut mettre du sucre. Faut mettre dans du sucre. Dans un bocal, dans du sucre, ça fait du sucre vanillé. Je le verse d'un coup. Voilà, d'un coup. Allez, hop. On peut mettre ça là. Allez. Avec une vanille de cette qualité, c'est super, c'est beaucoup mieux que d'acheter sans sachet. Voilà, on n'en perd pas un grain. Hein. La vanille. Il n'y a plus qu'à habiller les assiettes. Voilà, on va s'amuser. Révise. Il y a de l'amertume dans la trévise. Ça, c'est une petite pousse de moutarde. Une petite pousse de moutarde, donc ça donne le piquant. Hein. Et pour la vinaigrette, du yuzu, de la mangue verte et du gingembre. Tu vas venir la soupe. La soupe d'élianthis. Enfin, le foie gras sur lequel on verse la soupe thaï. Moi, je suis exténué. On ne peut pas continuer dans ces conditions à la maison. Là, c'est réconfort maintenant. On ne peut pas. À mourir. Joyeux Noël. Merci. Bonne fête à vous.